Finalement, euh, faire des, des métamatériaux, c'est à la fois très, très simple et très compliqué. Simple euh, puisque c'est un petit peu comme une, une recette de cuisine. Il suffirait de, de suivre la recette, mettre euh, un petit peu de ça, quelques grammes de scie, euh, mélanger, touiller. Et d'après ce que nos collègues théoriciens prédisent, euh, on devrait avoir des propriétés euh, extraordinaires. En réalité, et c'est un petit peu l'approche qu'on qu a adoptée depuis quelques années dans ce consortium Bordelais qui relie le, le CRPP, le LOF et, et l'I2M, c'est une approche un peu, plus, un peu plus rationnelle, proche justement de la matière qu'on aime à toucher et à appréhender. Euh, on voit bien que sur le papier, euh, c'est assez simple. Il suffit de mettre des petits objets présentant des très gros contrastes acoustiques dans une matrice quelconque. Euh, on mélange tout ça, on touille, on envoie des ondes à l'intérieur et puis a priori, il n'en ressort rien on devrait être content. Mais en pratique, il en ressort toujours quelque chose parce qu'il y a des effets assez subtils qui se manifestent et qui sont extrêmement dépendants de la nature des matériaux qu'on a mis euh, ensemble. Et ces matériaux, euh, faits par nos collègues du CRPP, sont euh, assez, pour reprendre son expression, capricieux. Il est vrai que c'est vraiment difficile, il faut un gros travail pour avoir des matériaux... Euh, de manière reproductible et sur le plan de l'expérience acoustique, il est quasiment impossible de faire deux fois la même expérience, ce qui est assez déroutant quand on cherche à valider des modèles des théories alors qu'a priori on n'a changé aucun paramètre comment se fait il qu'on n'observe jamais euh, les mêmes niveaux d'absorption par exemple. Euh, ça, voilà, c'est un travail de longue haleine qui peut parfois être euh, même très souvent euh, un petit peu ingrat. Il ne faut pas se démotiver et il faut certainement avoir une, une, une vraie passion pour, euh, pour la matière pour pouvoir essayer de, de la dompter de manière euh, euh, contrôlée. C'est ça l'enjeu des métamatériaux c'est le contrôle de la matière avant finalement le contrôle des ondes. Le contrôle des ondes, c'est simplement une conséquence du contrôle de la structure de la matière. Michel Oliver disait la cuisine est un jeu d'enfant. Euh, faire des, -ma des métamatériaux, malheureusement, ça n'est pas un jeu d'enfant, mais il y a un aspect euh, culinaire dans, dans cette fabrication qui est quelque chose qui finalement euh, est l'aspect culinaire au sens noble du terme que j'aurais envie de défendre finalement, qui est de réussir à faire coexister ensemble des ingrédients qui vont s'organiser dans l'espace de façon adéquate pour donner les propriétés qu'on attend. Donc là, les ingrédients auxquels je pense, c'est de l'air, du caoutchouc, des fluides. Et finalement, notre travail, ça a été de mettre tout ça en forme. On a pu mettre tout ça en forme grâce au conseil avisé euh, des gens avec qui on interagit, notamment des théoriciens qui ont... Euh, Conceptualiser tout ça avant qu'on puisse le fabriquer, et qui nous ont permis de nous donner euh, les façons euh, de faire les choses. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un dialogue qui n'est pas toujours facile, puisque ce sont des communautés qui ne parlent pas les mêmes langages par moment, et qui nous a permis, ce dialogue nous a permis de finalement trouver la solution pour arriver à fabriquer quelque chose qui ait des propriétés intéressantes. Ce n'est que le début de l'histoire. Euh, on espère bien qu'on va continuer à progresser et qu'on va réussir à remplir des fonctions, faire remplir des fonctions à nos matériaux qui pourront avoir un rôle euh, sociétal. Par exemple, on pourrait, on espère, pouvoir euh, améliorer les propriétés d'isolation des matériaux existants. On espère améliorer les pouvoirs de résolution des appareils d'échographie acoustique. Et finalement, c'est ça qui nous motive, c'est euh, de faire reculer finalement le, euh, les limites euh, de, de, de nos connaissances et également d'avoir euh, un impact sur, sur la société en améliorant les propriétés de ces matériaux. Donc je terminerai en disant, euh, comme je le disais, euh, vivons heureux, vivons méta.